J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Ça va être une vidéo qui sort un petit peu de n'importe où, tu vois. C'était pas prévu. Donc, je m'explique un petit peu. Alors, hier, comme je l'avais annoncé dans la vidéo de la présentation du Panda Tank, j'étais allé faire le chaleuil et j'ai trouvé le truc vraiment extrêmement dur, tu vois. Et il y avait pas de solution, tu vois. S'il y avait la solution, genre tu essayes de gérer la vague 1 et de continuer sur la vague 2 et perdre et tout, il y avait la solution, tu vois, il y avait moyen. Mais le truc, c'est que tu n'arriverais à... Déjà, j'essaie vraiment, en tout cas je comprends un petit peu de quoi il s'agit. Merci à Afidax pour ses précieuses explications. Mais en fait, Aziz, c'est vraiment, tu sais pas, est-ce qu'il faut bloquer le gros, le boss, est-ce qu'il faut commencer à tuer la vague, est-ce qu'il faut temporiser, est-ce qu'il faut se concentrer avec le placement. C'était vraiment dur. Bon, ça reste mon problème. C'est pas la fin. Je vais encore revenir tenter pas mal le combat, mais en tout cas, je me suis décidé que je vais pas vous faire un mois sans vidéo, donc il faut du contenu. Et moi aussi, pour que je continue à jouer sur Dofus, j'essaie de diversifier, genre faire des tentatives chaleuil, et juste après, quand j'ai plus la motive, jouer un petit peu une team, tu vois. C'est ça diversifie un petit peu la chose, et c'est plutôt pas mal. Et je vous présente aujourd'hui les poutous ma nouvelle team. Ça va sortir de l'ordinaire puisque la composition n'est pas comme celle d'avant. Donc ici il y a un panda, il y a un héliotrope et il y a un héliotrope. Donc ces trois classes, je les gardé. Pourquoi je les gardé? Parce que un panda, bon, je vois pas trop un personnage qui peut remplacer un panda. Un panda joue un rôle, mis à part les vulnés, tu vois, le placement, la stab, les PM, la temporisation, le tankinage du panda, c'est vraiment extrêmement pas mal. Ici pour les neutrophes, il y avait déjà, je le prends pour du retrait PM, hein. Le rôle initial, c'est le retrait PM, parce que tu joues une composition de 6 personnages, t'as en face 6 ennemis, tu peux pas les contrôler si tu retires pas des PM. C'est bon, pour moi, pour beaucoup de donjons, les gros donjons, certainement, ça demande du retrait PM. Il y a le Kra aussi, mais je trouve que le Neutrophe reste beaucoup plus supérieur, et je suis toujours motivé pour le jouer, plus que de jouer un Kra. Voilà. Et pour l'Héliotrope, alors, ici j'ai pris des personnages qui sont basés sur le Rox. J'ai pas pris de Yop, on va revenir sur ça plus tard. Basé sur le Rox, et si t'arrives pas à placer le Rox, si t'es éloigné ou quoi, t'arrives pas à placer ce Rox, à quoi ça sert ces personnages de Rox? Donc plutôt mettre un héliotrope, comme ça il te facilite le combat, tu vois. Il te met un portail juste devant le map, le boss en question, tu t'as pas d'excuse pour Roxer. Voilà, ça c'est dit. Pour l'héliotrope, c'est pas mal, et je suis tenté pour le jouer héliotrope feu cette fois-ci pour le soin, parce que ici j'ai pas de soin, tu vois. J'ai vraiment pas de soin, j'ai pas d'Enripsa, pas des caflips. Donc, je n'ai pas de soin. Simplement.
On passe maintenant aux trois personnages. Alors, il s'agit du Père Mage, Roublard et bien Ouginak. Donc, moi en fait, je suis sur cette team-là, je suis parti du principe ces trois personnages, je les maîtrise pas. Je les maîtrise pas. Certains sorts, je les connais pas. Alors, pour maîtriser la chose, il faut la tester, il faut passer du temps dessus. Et moi, comme je suis tenté à l'avenir pour jouer du PVP, donc il faut que je maîtrise toutes les classes du jeu. Alors, je me suis dit, bah, yop, ça me casse les couilles, je suis toujours depuis tout mon parcours sur Dofus, je jouais des IOP, tu vois. Bah, je m'en bats les couilles d'un IOP, tu vois. Je vais tester autre chose. On va voir l'Uppermas, ça donne quoi? On va voir le Roublard, ça donne quoi? On va voir l'Ouginak, ça donne quoi? J'ai pris ces trois personnages parce que il y a vraiment beaucoup de potentiel de Rox. Déjà, au Rox direct, il y a l'Uppermage et l'Ouginak. Ça Rox extrêmement bien. J'ai vu ça sur Internet, j'ai vu ça sur Combat Spectateur, etc. Et le Roublard, ça Rox avec les bombes. Donc, ça explose vraiment. Ça fait beaucoup de dégâts avec les bombes. J'espère en tout cas que ça va marcher comme prévu. Donc voilà, ça c'était la petite introduction. Alors, pourquoi ça m'est venu l'idée de changer de composition? Un abonné m'a proposé dans les commentaires, il y avait un commentaire qui est constructif, qui était constructif et qui me disait que si tu refais sur 5 teams la même composition, la même chose, les mêmes combats, les mêmes stratégies, mais où est le plaisir, tu vois? Même au niveau du contenu d'Ovius, parce que si vous l'avez remarqué, pour la Program Team, j'ai mis les combats au complet. Pour la Project Team, j'ai mis des compilations pour que ça soit pour diversifier un petit peu. Et pour le reste, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai pas de contenu parce que j'ai pas envie de vous mettre la même chose. C'est pour ça que j'étais vraiment tenté pour ce commentaire et changer de composition. Voilà. Et j'espère en tout cas que ça va marcher. J'espère surtout que ça va vous plaire, les amis. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi vos suggestions. Dites-moi ce que vous pensez. C'est le plus important. Et voilà. Donc c'était Otsuki pour une nouvelle aventure suivie avec la programme avec la Protect Team. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à très vite. Je vous kiffe. Ciao!